Hello les Chepiogi, c'est Sacha et bienvenue sur une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Avant que le cours ne commence, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications, c'est complètement gratuit et en fait ça vous permet d'être informé à chaque fois que je sors une vidéo, à savoir tous les mercredis et tous les dimanches. Donc faites-le, comme ça vous ne louperez rien et en plus c'est complètement gratuit. Aujourd'hui, on va faire une vidéo souplesse des épaules en 10 minutes express, très simple à réaliser. C'est fait pour tous les niveaux, il n'y a pas besoin de matériel et c'est vraiment une sorte de routine que moi j'affectionne beaucoup pour travailler les épaules qui sont vraiment importantes à travailler au yoga. À la fois, plus vous aurez des épaules souples, plus il y aura de postures qui seront facilement accessibles et en même temps, si vous avez l'habitude de vraiment travailler votre renforcement au yoga, si vous faites du yoga avec moi, vous avez cette habitude-là, travailler la souplesse, ça permet également de bien améliorer la récupération. Ok ? Donc, on va se placer, je vais me mettre face à vous ici dans la posture de la table. La première posture, ça va être « thread the needle », enfiler l'aiguille en français sur le côté droit. Donc, inspirez, levez la main droite vers le ciel, regardez vers la main droite. Expirez, envoyez loin la main droite sous le bras gauche et déposez la joue droite sur le tapis. Restez ici, il existe différentes variations pour aller plus loin, mais ce n'est pas forcément des variations qui permettent d'accentuer l'étirement. Pardon, si vous utilisez la main gauche et que vous poussez le sol, vous allez pouvoir sentir l'étirement dans l'épaule droite. Restez vraiment concentré à fond sur l'épaule droite et uniquement sur l'épaule droite. N'hésitez pas à fermer les yeux, à allonger vos inspires et vos expires. Encore 3, 2, 1. Et tout doucement, on va pouvoir revenir en position neutre. Bougez un petit peu, essayez de sentir les différences entre le côté droit et le côté gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la main gauche. Et expirez, envoyez la main gauche sous le bras droit. Et utilisez la main droite pour pousser le sol et ramener un maximum de poids du corps dans l'épaule gauche. On va faire 5 exercices aujourd'hui. On va les répéter 2 fois. À chaque fois, on va faire 45 secondes d'exercice, suivi de 15 secondes de récupération. Ce qui nous fait une séance de 10 minutes, très complète et très efficace. On va targeter, on va cibler les différentes zones en fait, de l'épaule. Si je vous amène des postures qui permettent de travailler à la fois l'avant, l'arrière de l'épaule, côté. On travaille à la fois la souplesse passive et active. Et tout doucement, vous allez pouvoir revenir en position neutre. Venez prendre une posture assise qui est confortable pour vous. Puis ce qu'on va venir faire maintenant, c'est déposer l'avant-bras gauche au sol, placer la main droite derrière la tête, inspirer, lever le coude droit vers le ciel, expirer, ramener le coude droit vers le sol. Et on continue comme ça. À l'inspire, on vient lever. Vous devez sentir ici l'arrière de l'épaule, le haut du dos. Et à l'expire, on redescend. Inspirez, montez. Et expirez, descendez. Et on continue. N'allez pas vite. Cherchez surtout à ressentir ce qui se passe au niveau de l'épaule à chaque fois que vous allez vers le ciel. Encore 3, 2, 1, et on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Déposer l'avant-bras droit sur le tapis. Placer la main gauche derrière la tête. Et on est parti. Inspirez, levez le coude vers le ciel, ramenez le regard vers le coude. Et expirez, arrondissez. On continue. À l'inspire, on ouvre. À l'expire, on descend. À l'inspire, on ouvre. À l'expire, on descend. Je vous invite, lors de vos séances de yoga, dès que vous le pouvez, à fermer les yeux pour être vraiment dans un ressenti de vos sensations.
C'est beaucoup plus facile avec les yeux fermés. Trois, deux, un, et on relâche. Ok. Vous allez pouvoir venir vous asseoir sur le tapis. On va placer les mains derrière les fessiers avec les doigts qui pointent vers les talons. D'ici, pressez avec les mains et les pieds dans le sol, décollez les fessiers, ramenez les fessiers les plus proches possibles des talons, puis posez les fessiers derrière les talons. D'ici, vous pouvez peut-être rapprocher un peu vos mains si c'est possible, rapprochez les coudes le plus possible l'un de l'autre et fléchissez les coudes. Ici, on vient vraiment targeter l'avant de l'épaule. Si vous faites du yoga régulièrement, vous faites beaucoup de chaturanga et cette posture est vraiment incroyable pour soulager les chaturanga, enfin soulager les tensions qu'on peut avoir au niveau des épaules lorsqu'on travaille le renforcement avec les chaturanga ou que vous faites des équilibres. Si vous faites beaucoup d'équilibre comme moi, c'est une zone qu'on travaille beaucoup. Et cette posture, elle fait vraiment, vraiment du bien. C'est notre dernier exercice et ensuite on va faire un deuxième tour de tout ce qu'on a fait. Tout doucement, ramenez les fessiers vers l'arrière, tendez les bras et on relâche. Revenez dans une position de la table et on va partir pour un deuxième tour. Inspirez, levez la main droite, expirez, envoyez loin la main droite sur la gauche, déposez la joue droite et on ramène un maximum de poids du corps sur l'épaule droite. Pour ça, on utilise vraiment la main gauche, on pousse avec le sol pour envoyer le corps sur le côté droit. D'accord? Ça doit vraiment faire du bien au niveau de l'épaule ici. Encore une fois, fermez les yeux, allongez votre respiration. Si vous ne savez pas comment respirer au yoga, la respiration Ujjayi, vous pourrez voir dans la description, j'ai fait une vidéo qui explique très simplement comment respirer au yoga. Tout doucement, relâche, revenez en position neutre. Et on va faire pareil de l'autre côté. Inspirez, levez la main gauche, regardez vers le ciel. Et expirez, envoyez la main gauche sur le côté droit. Déposez la joue gauche, envoyez le poids du corps sur la gauche. Et on reste là. Allongez vos inspires, allongez vos expires. Écoutez vos sensations. Maintenant que les épaules sont un peu plus détendues, vous pouvez sûrement amener un petit peu plus de poids du corps sur l'épaule. Encore 3, 2, 1, et lentement on relâche. Ressortez lentement à chaque fois des postures. Prenez de nouveau une posture en tailleur qui est confortable pour vous, ou en demi-lotus, ce que vous voulez. Déposez l'avant-bras gauche au sol, déposez la main droite derrière la tête. Inspirez, levez vers le ciel. Expirez, arrondissez. Et on continue comme ça. La partie la plus importante ici, c'est vraiment quand on est en haut. Donc, vous pouvez rester par exemple des fois 3-4 secondes en haut. Et lorsque vous êtes en bas, vous restez juste un petit instant. On vient vraiment plutôt chercher à chaque fois une nouvelle ouverture un petit peu plus grande. Encore 3, 2, 1, et on relâche. On vient changer, on dépose maintenant l'avant-bras droit, on pose la main gauche derrière la tête. Inspirez, venez ouvrir. Expirez, arrondissez. Et on continue. C'est notre avant-dernier exercice, les yogis. Dites-moi d'ailleurs après cette séance en commentaire si vous aimez bien ce format de séance assez courte avec une thématique précise. C'est le genre de choses que j'aime bien faire moi dans ma pratique. Avoir des pratiques courtes, ciblées, pour vraiment ressentir les bénéfices et avoir une séance toujours efficace.
Alors, encore 4. 3. 2. 1. Et tout doucement, on va pouvoir relâcher. On va pouvoir venir dans notre dernière posture. Placez les mains derrière vous. Préparez-vous. Poussez les fesses vers le ciel, puis amenez les fesses derrière les talons. Rapprochez un petit peu les mains. Resserrez les coudes l'un vers l'autre, puis fléchissez les coudes. Et normalement, vous ressentez bien, bien, bien les épaules ici. Allongez vos inspires, vos expires. Rapprochez un peu plus les coudes l'un de l'autre. On est presque au bout. 3, 2, 1. Et tout doucement, on relâche. Ressortez en ramenant les fessiers vers l'arrière. Bravo à vous, cette séance pour les épaules est terminée. Je vous rappelle que dans la description, vous pouvez retrouver mon défi gratuit de 7 jours pour démarrer le yoga avec moi. Et vous retrouverez également ma méthode de yoga, mes livres et plein d'autres informations. Donc allez checker la description. Je vous dis à très vite. Namasté.